Salut à tous, c'est Foufflet et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de Rift. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de vous montrer une faille. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un leurre. C'est-à-dire que il y a l'endroit pour une faille, mais il n'y a pas vraiment la faille d'ouverte. Comme on peut voir sur la carte, il y a une faille de feu par exemple ici. Et moi, j'ai le pouvoir de créer d'un leurre une faille. C'est-à-dire que je vais en dessous, j'active une compétence qui s'appelle leurre planaire, et ainsi la faille se révèle. Évidemment, je ne peux pas savoir à l'avance de quel type de faille il va s'agir. Voilà, en dessous de la faille, j'active mon leurre. L'essence de la faille. Et c'est une faille de terre. Ouais, faille mineure de terre. Donc on peut voir l'environnement qui a été modifié et des nouveaux monstres qui sont apparus. Évidemment, le niveau de la faille est plus faible que mon niveau à moi. Philochette est level 32, les monstres sont environ 4 levels en dessous, donc c'est plutôt facile. Et en plus c'est une faille mineure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monstres élites qui descendent. Donc là mon mage, Philochette est level 32, son âme c'est faucheur principalement, c'est-à-dire que je suis mage et je me bats au corps à corps. J'ai quelques sorts de feu grâce à mon âme de pyromancien et quelques petits soins grâce à mon âme de chloromancien. L'âme chloromancien c'est l'âme heal, c'est-à-dire soigneur du mage. Parce que dans Rift on peut créer sa propre classe. Si on veut faire un mage qui soigne, on peut faire un mage qui soigne. Donc comme pour mes autres vidéos, je suis pas là pour vous dire comment jouer le personnage, moi je joue un peu comme ça sans réfléchir. Pour l'instant vu que je suis level 32. Les petits chiffres verts qui apparaissent, ce sont mes petits soins que je produis grâce à mon âme de chloromancien. Voilà, une nouvelle phase. Donc les phases qui sont montrées. Si vous n'arrivez pas à tuer les monstres dans le temps imparti, c'est pas très grave. Ça fera juste que vous n'aurez pas de monstres bonus. Mais ça vous empêchera pas de fermer la faille. Ah, et là, ce qu'on vient de voir au loin, ce sont des monstres qui sont générés par la faille et qui partent sur la map pour aller conquérir les monstres. Vous avez pu vous attaquer à eux. S'ils rencontrent une faille, par exemple, de vie, ils vont se battre contre les monstres de la faille de vie. Ils vont se battre contre les monstres. Contre les PNJ, contre les vies. C'est vraiment une petite armée qui part à la conquête du territoire. Donc là, la zone où je suis, en fait, ça s'appelle les Gorges Écarlates. C'est une zone level 25. C'est principalement un canyon, en fait. C'est un peu comme on peut voir en ce moment. D'ailleurs,
D'ailleurs, la zone, elle est aussi bien pour les gardiens, c'est-à-dire que pour les renégats. Ils ont leur camp dans un autre endroit de la carte. Donc, comme je suis sur un serveur PVE, je suis sur un risque seul. Si je les croise, c'est pas très grave, il n'y aura pas de PVP. Si je veux du PVP, je dois aller en DG, c'est-à-dire en champ de bataille. Ou alors sur la carte, il y a une carte en mode conquête. Et là, c'est les trois factions qui s'affrontent. Pour l'instant, là, c'est pas encore là. Le système de faille, c'est que par exemple moi je suis pas très fan des quêtes, j'aime bien mais voilà sans plus. Donc ce qui est bien, c'est quand tu te balades dans une région et tiens il y a une faille sur le chemin, allez hop, je m'arrête, je la tue, je la ferme, et du coup bah ça fait de l'XP, ça fait des cadeaux, ça fait de l'argent. Donc c'est tout bénef et ça casse un peu le quotidien. Ou des fois on se balade dans une petite ville et ah tiens, il y a une petite armée d'une faille de vie par exemple qui arrive. Et on va défendre le village. Moi j'aime pas. Et voilà, la faille est scellée. C'est-à-dire qu'elle disparaît comme elle est venue. Un petit cadeau qui tombe du ciel, et ça ce sont mes loots. Qui sont tous récupérables dans la petite poche ici. Du coup, on peut voir que l'environnement a repris sa forme initiale. C'est redevenu paisible. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était juste pour vous montrer une toute petite faille. Faille de terre. Évidemment, à plus haut niveau, les failles épiques, c'est pas du tout pareil. Voilà, à très bientôt à tous.